Salut, donc juste avant la vidéo j'ai récupéré deux coffres. Alors le premier c'est celui qu'il y avait dans la salle juste avant. C'est une relique faite exprès pour cette ZR. Donc voilà, donc ça change sa commande du truc qui défile là. En plus GP, donc GP en fait c'est le nom anglais de Gilles. Et en clair, il jette des Gilles. Donc on perd des Gilles hein, et il fait des dégâts. Donc je lui mets pas. Et deuxième coffre, je l'ai récupéré. Vous allez voir. Alors. Je vais monter d'un niveau par perso aussi. Ouais, ils craignent bien l'aura foudre les marivants. On peut aussi les tuer en un coup avec un remède. Remède c'est un objet, hein, c'est bah, qui est guéri de toutes les altérations d'état. Donc attendez, je me suis bourré d'endroit, ouais. Donc ouais, le deuxième coffre que j'ai récupéré c'est un éther, donc ça rend des points de magie. Je l'ai récupéré dans la salle où je suis là. Là, je fais la Goomorph volontairement pour en récupérer des HP. Alors bien sûr c'est pas aléatoire le truc de cette ZR, hein. Faut appuyer au bon moment. Peut-être que si on attend au bout d'un moment ça se fait tout seul, mais je crois pas. Ça s'invoque Bahamut. Donc c'est puissant. Hein. Vous avez vu. Hein. Sur tout le monde, ça fait ça. Donc Bahamut, ouais, c'est un dragon. Hein. Tous ceux qu'on fait d'FF connaissent normalement. Invocation assez puissante. Donc là, je pense qu'il y a un truc pour faire. À recréer le pont. Par contre, où est-ce qu'il faut aller, j'en sais rien. Je vais utiliser ma tronçonneuse. Ah oui, eux là, bah celui que je suis en train d'attaquer, ils sont assez chiants. Parce que quand ils ont plus beaucoup de vie, bah ils font une attaque à la con. Il absorbe toute la vie d'un perso et il le tue en fait. On vaut mieux les tuer avant. Voilà. Ça se peut tuer en un coup. D'ailleurs ça a marché. Oh, j'ai de la chance cette fois. Bon, j'avais déjà refait cette vidéo en fait. Putain, on monte très vite de niveau d'ailleurs. Bon, j'avais déjà fait cette vidéo et j'avais fait vraiment de la merde. Ah non, j'avais fait le truc de cette DR qui invoque une invocation au hasard. Et ça m'a fait l'invocation croisée, donc c'est une invocation très chiante. Parce qu'elle elle tue tout le monde, même nous. Enfin, elle tue pas forcément, mais elle fait énormément de dégâts. Et donc je suis mort. Donc je vais recommencer la vidéo après. Là, faut forcément que je le tue lui avant qu'il fasse son attaque. Là. Merde. Crève. Donc oui, la commande de Terra, je crois que je vous ai pas encore expliqué. Donc en fait, ça la transforme en Esper. Et donc les magies sont plus puissantes. Et ça dure pas longtemps. Il y a une espèce de barre. Je crois que c'est en fonction du niveau. Et en fonction du niveau, ouais, la barre, une fois qu'elle a 0, ça remet Terra en forme humaine.
Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Échanger les espères, parce que Maduin. Oh bah non. Bismarck. Ouais, il a plus que vie à prendre lui. Licorne. Tout. Kirin. Ok. Alors. Pourquoi je vais là? Alors, on va descendre. Ah, mais pourquoi je me gourre à chaque fois? Je vais pas assez vite. C'est-à-dire que je fais les diagonales sur le clavier, donc c'est pas très pratique. J'ai changé l'arme de Sabine puisque son truc de feu en fait ça soignait les autres donc j'ai dû enlever. Ok. Ah ouais. En fait, ça baisse ce pont, mais ça monte l'autre, ouais, c'est ça. Ça c'est utile parce que eux, par exemple ils ont énormément de vie et tu sais tu as un coup. C'est vraiment sympa quoi. Ouais. Oh bah je m'améliore dis donc. On prend une bonne quantité d'XP quand même. Hein. Remarque. C'est dire que c'était mes persos les plus faibles. Enfin, Ganganji, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah yes. Ça me le fallait absolument justement. Donc après c'est une arme dans chaque main donc il frappe deux fois. Bon je vais pas utiliser maintenant. Hein. Mais il me le fallait donc tant mieux. Je traîne un peu, je suis obligé, je suis un peu désolé, mais je peux pas aller plus vite que ça. Puis les combats, je préfère pas les esquiver parce que bon, je fais pas mal d'XP dans cet endroit. Et les coffres sont assez importants comme vous voyez. Il y a trop de combats, c'est chiant. Merde, si j'avais fait Bahamut, ils seraient tous morts en même temps. Tant pis. Bon, ça c'est de la merde, ça marche pas sur eux. Thank you.
je crois qu'ils sont bien chiants eux en plus. Ouais, en effet. Bordel, le salopard. Il est super fort ce con. Tiens, heureusement j'aurais réussi à le tuer un coup. Bon bah c'était pas la bonne manette. Ah bah voilà, il nous a donné une grosse indication là. Je crois que c'est par l'arme Atma justement. Une des armes les plus puissantes du jeu. On n'est pas du tout à la fin du jeu hein, mais... On peut l'avoir maintenant, déjà. Mais là, elle est pas encore puissante. Alors. Pourquoi il y a une tente ici? Je vais pas me gêner pour utiliser. Si on fait ça, se fait quoi? Merde. J'ai vraiment été très con sur ce coup-là. En plus, ah bah d'accord. J'espère qu'il va réussir à le tuer du premier coup. Non, il a pas réussi, bien sûr. Donc, voilà. Il donne pas assez d'XP en plus. Substance enfuie dans le sol sous le grand escalier. Sous le grand escalier, ok. Donc là, ça sert à rien, donc. Grand escalier, c'est ça. Je vais essayer de tous les tuer d'un coup. Je peux pas faire l'attaque de feu de Sabine, je vous rappelle. Ah, ça marche plutôt bien. Et parce que si je fais attaque de Sabine de feu, bah, ils absorbent le feu donc. 666, un chiffre qui va bien avec l'ennemi que je viens de tuer. La substance cachée sous le grand escalier, mais qu'est-ce que ça voulait dire ça? Déjà, ici on peut rien faire. Putain, je cherche vraiment la merde, hein. Pourquoi ils viennent tout le temps nous faire chier? Ah. Donc oui, c'est une des armes les plus puissantes du jeu, l'Atma, mais sauf que elle est pas puissante au début du jeu en fait. Parce que plus on a de vie, plus elle est puissante, donc là par exemple, elle vaut rien quoi en fait. Elle est pas là. Donc là, avant de. Faut même pas marcher sur les boutons à mon avis. Comme un con. Hein. Là ça sert, ok.
Bon, là je fais de la merde. Voilà, c'est ça son attaque la plus chiante. Ça fait vraiment mal. Vous voyez, il nous tue un coup. Ah, vous avez jamais vu ça, je pense. Et il absorbe toute notre vie en fait. Ça, c'est chiant. Ah bah remets, ça tombe bien. Alors maintenant qu'il a pris remède, je pense que ouais, c'est fini, il a tout appris. Ah bah non. On s'en verra plus tard en fait. Alors elle, elle en est où? Lui plutôt. Ouais, elle c'est ça. Maduin. Ah bah, il a plus besoin d'apprendre le reste alors. Bio, brise, ouais. Ça, on va faire un truc. Je sais ce que je vais faire. Non, voilà. Alors. Mais non, putain. Putain, il est où ce truc à la con? Voilà. Putain, je comprends tout le temps hein, Bismarck et Mazur. Alors, ok. Bon, c'est pas grave, je vais déjà appuyer dessus, de toute façon. Bon, ça sert à rien, ça. Alors, remède. On peut pas le faire sur l'ennemi, donc. Oui, par contre, ils craignent les soins. Ça, on peut le faire, c'est sûr. Vous allez voir. On juste beaucoup de MP là, mais voilà donc. Mais par contre, ils craignent pas le feu. Non, j'aurais pas faire ça. Oula, si ça fait croiser, là je suis mort. Alors, par pitié. J'ai une chance sur 27 parce qu'il y a 27 évocations, je crois. Ouh, c'est bon. Donc là, ça envoie une Novak au pif. Donc ça, ça va. Ah, je vais vous quitter ici. Donc ouais, bon, machin. Donc vous avez vu, c'est une bonne zone pour XP, je trouve. Donc, à la prochaine vidéo. Salut.